Salut les amis, c'est Christopho. Aujourd'hui, on va faire un nouveau tuto sur la création de jeux avec Solarus. Et je vais vous expliquer comment afficher une image depuis du code Lua. Dans le tuto numéro 16, puisque celui-ci c'est le 17, et ben on avait vu les sprites qui sont des images animées, mais... il est aussi possible de manipuler des images normales qu'on appelle des surfaces. Alors vous pouvez créer des surfaces depuis le code, soit des surfaces vides, soit des surfaces à partir d'une image d'un fichier PNG. Donc on va prendre un des fichiers PNG de notre pack Zelda pour cet exemple. Donc si vous allez dans votre quête, dans Sprite, bon il y en a plein, mais Sprite menu, on va s'amuser à afficher ce petit curseur de fée, cette petite image de fée sur notre écran de jeu. Alors pour ça, on va faire une petite map d'exemple. Qu'on va appeler image. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme taille? C'est celui-ci pour changer. Ça n'a aucune importance. Et puis je vais copier n'importe une map la plus simple possible. Copier-coller. Puis, on va dire au initial game de démarrer sur cette map. Voilà. Ok, ça fonctionne. Et donc, je sais pas, on va dire qu'on va afficher une image en bas à droite de l'écran sur cette map. Et donc dans notre script de map, si vous allez voir la doc, il y a une fonction onDraw. J'ai affiché la documentation. Qui est appelée à chaque fois, à chaque frame, donc à répétition. Qui prend en paramètre la surface de destination qui représente l'écran. onDraw. En fait, ce onDraw existe sur la map, mais sur d'autres objets aussi. Et donc, on va afficher notre image PNG, copier notre image PNG sur l'écran, à chaque fois que la map est dessinée. Et donc, pour ça, on va créer notre image PNG, mais à l'extérieur de onDraw, puisque onDraw est appelé en continu. Vous voulez pas charger un fichier PNG 20 fois par seconde, ou plutôt 50 fois par seconde. Donc on va l'appeler Fairy IMG. Et donc en fait, tout ce qui concerne les images, donc on appelle surface dans Solarus, c'est ici, Drawable Objects. Il y a trois sortes d'objets dessinables, les surfaces de texte et les sprites. Dans l'épisode 16, on a vu les sprites, mais pas au niveau du Lua. On a vu comment faire des sprites, mais sans coder. Directement avec l'éditeur. Et donc, il y a une fonction sol.surface.create. Et puis là, vous lui donnez le nom du fichier. Alors, vous pouvez... Bon, il y a deux versions. Vous pouvez lui donner une taille. Auquel cas, ça crée une surface vide. Que tous les pixels sont transparents, et ou alors à partir d'un nom de fichier. Et le nom de fichier est relatif au répertoire sprites de votre jeu. Donc si vous allez voir là, c'est dans sprites menu, et en fait ça va être, et puis après fairy cursor.png, donc on met menu fairy cursor.png. Donc là, c'est-à-dire que l'image va être chargée, va être lue sur le disque
au moment où votre map démarre, puisque c'est le moment où le script de map est exécuté. Et puis dans Andro, donc là répétitivement, on va peut-être mettre un petit commentaire. Repeatedly, j'arrive pas à l'écrire. Redraw the screen. Donc, on prend notre image et on la dessine sur l'écran. Donc, c'est avec la fonction, la méthode draw les surfaces. Et on n'a pas mis de paramètres, alors elle, donc ça fonctionne bien sûr, mais elle s'affiche en haut à gauche parce que coordonnées 0, 0, parce qu'on n'a pas précisé les coordonnées ici. En fait, les surfaces, texte, surface et sprite ont tous cette fonction draw qui est leur caractéristique principale. Et vous lui donnez la surface de destination sur laquelle vous voulez dessiner et des coordonnées optionnelles. Donc là, notre map elle fait 320 par 240 et on voulait la mettre en bas à droite à peu près. Donc on va dire, on va l'afficher en 304, 230, 304, 224. Allez, hop. Voilà, bon, elle est toute collée tout en bas à droite. Mais c'est juste un exemple. Et d'ailleurs, si vous faites une map un petit peu plus grande, avec plusieurs salles, mettons. Attendez, je vais copier une salle depuis Inside Store, comme toujours. Clic droit pour le coller plusieurs fois. Alors du coup, ma porte, je vais la bouger finalement. On va dire que je vais la mettre là. Ok. Et comme ça. Est-ce que j'ai fichu? Ah, il me manque un truc. Pardon, il manque le haut de la porte. Bon, c'est pas le sujet. Je vais juste vous montrer que ça s'affiche. Vraiment, c'est en coordonnées par rapport à l'écran de jeu, pas par rapport à la map. Donc, si vous voulez afficher quelque chose comme les cœurs, les rubis, les petites clés, les bombes, je sais pas, c'est une façon de le faire. Donc on va essayer une des autres coordonnées. On va essayer, mettons, 32, 32. Voilà, donc vous pouvez afficher du texte aussi si vous utilisez les textes surface, mais c'est un peu hors sujet de cet épisode. Et donc, il y a Map on Draw, il y a aussi Game on Draw. Donc là, en fait, ça veut dire que là, ça va marcher sur cette map précise. Et dès que vous sortez de la map, la fée, on la voit plus. Mais vous pouvez aussi faire Game on Draw de la même façon, si vous allez voir la documentation. Donc, si je vais dans Game Manager et que je rajoute la fonction Game on Draw ici, après la création d'objet Game. Game on Draw, et alors attendez, il faut que je reprenne ça. Tac. Et donc là, ça nous affiche la fée tout le temps, tant que la partie tourne. Même pendant les transitions entre maps. Tant que la partie existe.
Et encore plus fort, vous pouvez faire sol.main.onDraw si vous allez dans main.lua. De la même façon. Et donc là, on est à un niveau encore plus global. sol.main.onDraw. Donc pareil, je vais reprendre mon image, je vais l'enlever d'ici pour la mettre dans le main. Et là, surprise, même pendant le logo Solarus, il y avait l'image, je sais pas si vous avez vu. Voilà. Non, c'est tant que votre quête tourne. Même s'il n'y a pas encore de partie en cours, même si on est dans le menu des sauvegardes, l'écran titre, des choses qu'on n'a pas encore fait pour l'instant, mais c'est super global, vous pouvez afficher un truc en permanence. Donc voilà comment on affiche une image. Alors, souvent on n'affiche pas des images directement dans les onDraw, mais on utilise le framework des menus. Attendez, non, c'est bon. Donc, je vais enlever tout ça. Parce que généralement, on fait des choses un peu plus compliquées que juste afficher une image. On les affiche que dans certaines conditions. Ou on veut aussi gérer un peu plus que afficher des images. Il y a des choses à mettre à jour parfois. Par exemple, je disais, si c'est un compteur de Ruby, c'est pas une image fixe. C'est une image avec du texte. Et le texte se met à jour, enfin. Donc pour séparer le code, on utilise ce qu'on appelle les menus. Alors, le logo qui s'affiche quand vous démarrez votre jeu, c'est un menu. Et on va essayer d'en refaire un. En beaucoup plus simple que celui-ci, parce que celui-ci il est animé, il y a beaucoup de code. Mais nous on va juste faire un menu. Alors, qui remplacera celui-là en fait. On va l'appeler Solarus logo test. Donc je vais le renommer. Et donc on va créer un nouveau script dans le dossier menu et je l'appelle Solarus logo test. Et donc l'idée c'est que quand vous avez un menu, vous appelez sol.menu.start sur votre menu et tant qu'il est pas stoppé, il va s'afficher et en fait l'idée c'est qu'il va voir son propre onDraw lui-même. Local sur le logo test. Alors si vous vous souvenez du tuto sur require, comme toujours on crée une table vide et on la retourne et cette table va être ce qu'on appelle un menu dans ce cas précis. Et elle va avoir donc une fonction, un événement onDraw, elle aussi. Et puis on va afficher. On va afficher toujours notre petite fée. Je vais reprendre toujours la même fée. Sol.surface.create. Menu Fairy IMG. Et donc Oops, Fairy IMG Draw. Alors les menus ils sont eux aussi documentés ici sous une section menu avec toutes les explications. Il y a bien d'autres événements que onDraw. Et donc je l'affiche sur l'écran. Quelles coordonnées, allez on va essayer de la mettre au centre. Donc ça fait, quand elle fait 16 sur 16 et que l'écran fait 320 par 240, ça fait 312 232, si je ne me trompe pas. Et donc il faut que je me dépêche puisque elle démarre toujours dans le mauvais écran. Ah, ça marche pas. Nil value. Donc là il faut comprendre le message d'erreur. Ah, il s'affiche à répétition parce que tout simplement on est dans onDraw, donc ça se répète. L'événement est appelé à chaque cycle de simulation.
Alors, on a déjà une première erreur. On va corriger les erreurs dans l'ordre. Ah oui, je vais changer le nom de cette variable Solaris logo test. En gros, je dis on démarre le menu Solaris logo. Et une fois qu'il est fini, on démarre la partie. On lance la partie. Donc si j'ai fait FireIMG, ça doit être... Donc si ma variable FireIMG est nulle, ça veut dire que ça a dû échouer. Puisque en fait je me suis trompé, c'est Fairy cursor.png, c'est le nom de fichier PNG qu'il faut mettre. Donc. Ah, je crois que ça marche, on la voit ici. C'est pas du tout là que je voulais la mettre. C'est 160 moins 8 que je voulais faire en fait. 152 et 120 moins 8, 112. Oups. Et voilà, mon nouveau logo Solarus. Enfin, le logo de votre jeu. Ça peut être un écran titre, ça peut être ce que vous voulez. Ok. Et alors, donc maintenant, le problème c'est qu'il n'y a pas de code qui dit quand il se termine. Et donc, pour régler ça, on va utiliser l'événement onKeyPressed. Donc, il est appelé quand l'utilisateur presse n'importe quelle touche du clavier. Et alors, peu importe quelle touche du clavier il utilise, on va juste stopper le menu. Donc stop, sol.menu.stop. On va voir si ça marche. J'appuie sur une touche, espace, ça marche. Ok. Donc voilà, vous savez comment faire non seulement afficher une image, mais comment faire un écran titre basique. L'intérêt de faire un menu comme ça dans un fichier séparé, c'est que vous faites pas tout dans le main déjà. Vous n'avez pas besoin de faire un sol point, parce que sans faire de cette façon, quand vous feriez sol.main.onDraw, et ensuite il faut tester est-ce que la partie est déjà démarrée ou non. Si elle n'a pas encore démarré, alors on fait ça, et si elle a démarré, on le fait pas. Et puis même chose, il faudrait détecter les touches appuyées depuis sol.main. D'ailleurs, c'est déjà fait là pour d'autres raisons. Par exemple, F11 pour mettre en plein écran de façon globale. Et donc là, il faudrait tester si on est dans la phase d'affichage de notre écran titre. On démarre la partie. Et sinon, on fait tout ça, enfin. Donc ça complique énormément le code. On est obligé de mélanger du code de l'écran titre avec ce code-là qui gère vraiment les touches globales qui marchent quelle que soit la phase en cours de jeu. D'ailleurs, c'est mieux de mettre return true ici pour dire au moteur qu'on veut consommer l'événement de la touche. Okay, bon, ça marche toujours. Donc ouais, les menus ne se sont pas fondamentalement obligatoires, mais ils simplifient vraiment la vie. Vous dites, à un moment donné, vous le démarrez, à un autre moment, vous le stoppez, et entre les deux, le moteur va appeler pour vous onDraw, onKeyPressed. Et les autres événements si vous les définissez. Il y en a d'autres pour aller voir la documentation. Donc voilà comment créer et afficher des images depuis le code Lua, ce qui est la base pour créer un écran titre, un écran de pause, un afficheur de cœur et de rubis, et ainsi de suite. Si vous allez voir le script de la boîte de dialogue, qui est lui aussi un menu, lui il crée lui aussi des images et il les affiche. Bon, il fait plein d'autres choses. Mais il doit y avoir un onDraw, voilà. Le onDraw est là. Et lui, il fait des choses. Donc ça peut être un exercice intéressant d'essayer de comprendre ce code.
Ok, donc c'est tout pour ce tuto. Encore une fois, posez vos questions. Si, sur le forum, c'est encore mieux parce que quand il s'agit de code, c'est quand même plus facile pour se comprendre. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain tuto. Salut!